Hearing the beat now, it's pulling me in. Meet me at midnight, oh yeah, oh yeah. If you're ready to get down, bring your friends. Meet me at midnight, oh yeah, oh yeah. Down on your knees, you're begging, please, you want it. Coucou à tous! Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et là, je suis en train de superviser les travaux de la cuisine. Donc, ma maman a construit en fait une cuisine africaine derrière la maison, dans la cour de derrière. Donc, voilà. Donc, la cuisine principale est en train de se faire. Voilà. Comme vous voyez là. Mais vraiment, les travailleurs de la Côte d'Ivoire, là, waouh! Ils mettent trop de temps pour finir les travaux. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Donc voilà, je suis en train de superviser un peu et tout, voir comment ça se passe et m'assurer que les choses sont faites comme elles doivent être faites, parce que vraiment, si tu ne supervises pas les travaux là, tu auras de grosses surprises, parce que vraiment, ils font, la majorité en tout cas, ils ne font pas attention aux détails, ils font le travail vraiment grossièrement. En tout cas, il faut vraiment suivre de près, sinon tu auras de grosses surprises. Alors, destination Socopri. Ici, en fait, tu peux acheter des affaires en gros, donc la nourriture ou bien les produits de ménage et tout, en tout cas, ils vendent un peu de tout, les sopalins et tout. En tout cas, ils vendent un peu de tout. Ils vendent un peu de tout et vraiment à des prix agréables quand même pour ma part. À des prix agréables. Quand je dis ça, on me dit, oh, c'est parce qu'en Europe, là-bas, peut-être les choses sont trop chères. C'est pour ça que tu trouves que les prix sont agréables ici et tout ça. Sinon, pour nous, ici, c'est cher. Il dit, eh, hey, bon, c'est pas impossible aussi. Peut-être que, voilà, moi, j'essaie de convertir. À chaque fois, je convertis, en fait. Pour mieux comprendre les prix, je convertis. Mais bon, on me dit que ce n'est pas la meilleure manière de faire. En faisant la comparaison de cette manière-là, tu ne vas pas comprendre les choses comme elles doivent être. Partout, on passait. Même quand je vois les trucs, j'entends les prix de certains trucs et tout. J'ai dit, c'est moi, j'en dis, il ne faut pas venir gâter notre marché ici. Hein. Quand c'est moins cher. Alors que moi, en fait, je dis, c'est moins cher par rapport à ce que nous, on a en Angleterre, en fait. Mais bon, voilà. Donc, on a fait les courses, on a acheté tout ce qu'on voulait et tout ça. On a fini. On va rentrer à la maison.
Et voilà, alors voilà toutes les affaires qu'on a achetées, donc la majorité de ce qu'on a acheté. Voilà, donc je vous montre, je vous ai montré un peu depuis tout à l'heure ce qu'on a acheté, en tout cas ce que j'ai rangé de mon côté. La majorité, le reste des affaires, en fait, les filles l'ont rangé. Le reste des affaires, mais ce que j'ai rangé de mon côté, voilà, je vous montre ici. Et là, ici, on a les sacs de riz. On a pris 3 sacs de riz de différentes marques, voilà, mais à peu près les mêmes qualités. Parce qu'on a demandé en fait quelles sont les meilleures qualités de riz qu'ils ont, et c'est ce qu'ils nous ont montré. Donc on a pris, ils nous ont donné les top, les trois meilleurs en fait. Donc on a pris un sac de 5 kg de chaque pour goûter et puis faire notre choix à nous-mêmes. Mais pour être honnête, les goûts, il n'y a pas grande différence. Les trois sont super. Franchement, côté goût, qualité, parfum, en tout cas, il n'y a pas grande différence parmi les trois. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes en Côte d'Ivoire. Lequel des trois là vous utilisez et tout, et qu'est-ce que vous en pensez en tout cas, ou quelle est la marque de sac de riz que vous utilisez. Alors voilà, j'ai fini de ranger ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais. Ça m'a fait bouger un peu parce que depuis qu'on est arrivé, on se promène seulement, on profite seulement. Donc ça m'a donné un peu, ça m'a fait bouger un peu. J'avais envie de rentrer un peu en cuisine et puis de toucher un peu à quelque chose en cuisine, même si je n'ai pas encore préparé. Voilà. En tout cas, Abidjan est chic. C'est tout ce que je peux dire. Abidjan est très très chic. 2000 years later. Madame Lou, présidente du Conseil national de la consommation, pour l'attribution du trophée Label. Nous ne ferons pas de discrimination. Madame Lou reviendra une seconde fois. Pardonnez, allez souscrire à la chaîne de ma chérie, de ma copine, c'est notre star, c'est notre artiste, voilà, son, le nom de son YouTube était sur l'écran, voilà. Merci à tous pour le geste. Alors ici, on s'est arrêté un peu au shawarma, on s'est arrêté au Vallon, dans un restaurant pour acheter des shawarma avant de rentrer à la maison. Il faisait très tard, oui, l'événement est fini un peu tard, donc voilà. On s'est arrêté pour prendre des shawarma, pourquoi pas? C'est ça qui est chic à Abidjan. Tu finis, tu peux acheter un petit truc pour manger. Il y a toujours de la bouffe. Franchement, Côte d'Ivoire reste Côte d'Ivoire. Dans la nourriture seulement là, personne ne peut nous drap. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va arranger la cuisine ensemble. La cuisine n'est pas encore terminée. Ma nouvelle cuisine, ma cuisine de Côte d'Ivoire, ma cuisine d'Abidjan n'est pas encore terminée. Donc on va arranger ensemble. On va commencer à arranger ensemble parce que comme je dis, c'est pas encore fini.
Donc le peu que je suis en train de faire là, on va faire ensemble. Sinon je ne vais jamais vous donner des vidéos cuisine. Parce que depuis là, les travailleurs en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas l'argent. Oh, ils font le boulot là, petit à petit comme ça. Franchement, waouh. Mais bon, un sujet pour un autre jour. Alors voilà, j'ai fini de nettoyer. Bon, j'ai pas totalement fini de nettoyer, mais j'ai fait une pause rapide pour mettre mon poulet au four. Voilà, depuis que je suis arrivée, j'ai pas encore préparé. C'est ma première fois de préparer. Franchement, ça me manquait un peu, mais c'est chic quand même, franchement, de ne rien faire ou d'avoir de l'aide. Ou bien, si tu veux nettoyer même ton poulet, tu peux demander à quelqu'un de t'aider. En tout cas, il y a le support, il y a l'aide qui est là. Franchement, les filles même à la maison ne voulaient même pas me laisser faire quelque chose. Dès que je veux toucher quelque chose en cuisine, tantis laisse sont à faire. Et dès que tantis laisse sont à faire, j'ai dit, hey, vous savez pas comment je peux pas. Vous savez pas que moi-même la cuisine là, je suis fond de ça. Un peu seulement tantis laisse sont à faire, tantis laisse sont à faire. Mais ce jour-là, j'ai insisté, j'ai dit non. Je vais mettre quand même, j'ai assaisonné un peu de poulet, je vais mettre au four. J'ai fait quelque chose quand même rapidement parce que vraiment, c'est comme si mes mains me démangeaient. Il fallait que je rentre en cuisine. Franchement, l'habitude, hein. Ah, ici là, en Europe là, on fait tout nous-mêmes. Donc de toute façon, je ne sais pas si j'ai pas fait ça l'habitude, mais voilà, c'était là. Et vu que moi-même aussi, j'adore la cuisine, donc voilà, hein. De toute façon, voilà, ça partait ensemble en tout cas. Donc vraiment, j'ai insisté et j'ai assaisonné mon poulet, j'ai mis au four. Ensuite, j'ai rajouté des petits pois quand le poulet était prêt, j'ai remis encore au four. J'ai grillé de la loco pour accompagner, voilà. Et on a mangé ça, même si elles ont quand même préparé autre chose à la cuisine de l'autre côté là-bas. Mais voilà, j'ai fait quand même quelque chose parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais même me démangeait. Yeah.
Mon poulet est prêt, ça a été bien assaisonné. Je vais mettre ça au four maintenant et je vais continuer mon petit ménage. Voilà, et je vais griller aussi la loco. Et voilà, voilà un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà un peu à quoi ressemblait ma soirée. Mais après, ça, je suis sortie quand même. On allait se promener encore. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Ici, je vais vous montrer une petite astuce donc pour ranger vos légumes dans le panier à légumes pour éviter par exemple les pommes de terre, les oignons, ail et autres, pour éviter en fait que ça fasse des saletés en fait en dessous. Par terre en fait, pour éviter que la peau ou le sable des pommes de terre, la peau des oignons ou le sable des pommes de terre en fait salissent au travers des trous là, puisque ça va tomber à force d'utiliser et tout. Donc je mets un sachet ou un sac, bon là c'est un sac de Carrefour je pense, bien que j'ai plié, et j'ai mis en dessous avant de mettre les pommes de terre dessus ou les oignons par dessus, voilà, juste pour éviter que ça fasse des saletés en fait par terre en fait. Donc c'était la petite astuce de la vidéo. Alors à Carrefour, j'ai fait quelques petites découvertes. C'était notre premier shopping. Pas notre premier shopping puisqu'on était déjà parti à Socoprix, mais c'était notre première fois d'aller à Carrefour. Quand on est arrivé, donc voilà, j'ai découvert qu'ils avaient des petits sachets de flocons d'avoine et j'ai découvert que Bonnet Rouge faisait le lait en poudre, un peu genre lait Nido, mais avec la marque Bonnet Rouge. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien aimé leur lait. Et là, ce sont des petites boîtes en plastique que j'ai pris pour faire le piment maison, pour garder ça au réfrigérateur. Et j'ai pris aussi des pop-corn. Bon. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai pris, mais bon, parce que ce serait vraiment ennuyant, pour être honnête. J'ai pris des pop-corn, mais une autre découverte aussi que je vais vous montrer, ça c'est une autre marque aussi. Donc j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 marques qui faisaient les petits sachets de flocons d'avoine déjà prêts, mélangés avec le lait, le sucre, déjà fait en portions et tout ça. Et donc j'ai pris les marques qui étaient disponibles en fait pour goûter, pour voir qui allait être mieux que l'autre. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient la même chose aussi avec le gari. Donc, les petits sachets de gari déjà mélangés avec le lait et le sucre. Donc, les portions déjà faites. Donc, tu n'as qu'à renverser ça dans ton bol, seulement rajouter de l'eau. Franchement, c'est super. You've been hiding in the shadows way too long. Always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Go ahead and shine, darling, go ahead and shine. My tears, 'cause you care.
shouldn't doubt yourself, 'cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long.